Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes dans une nouvelle vidéo, mais une vidéo pour vous annoncer le salon de la photo qui, oui, se tient là cette semaine. Ouais, je fais la vidéo super tard. J'ai une raison, je suis pas en France. J'étais à Calgary et autour de Calgary, j'ai une exposition là-bas à l'Alliance française. Et donc du coup, je vais vous parler quand même du salon de la photo. Comme l'année dernière, je serai au salon de la photo et comme tous les ans, à part pendant le Covid, cette fois, vous pourrez pas me louper. Autant l'année dernière, vous ne pouviez pas me louper, mais cette année, vous pourrez encore moins me louper parce que dès que vous rentrez dans le salon, vous me voyez. C'est le premier stand que vous verrez. Celui que je partage avec Olivier Schmitt, comme l'année dernière. On a juste un peu plus grand, on a deux fois plus grand cette année, ouais. On se la joue quand même un petit peu là, on y a pris goût. Mon planning va être assez simple cette année. J'ai une intervention à 14h, le 14h30 le vendredi, où je vais vous parler de comment faire des bons tarifs dans la photo de mariage, comment vivre de la photo de mariage et comment faire des bons tarifs. Et comme l'année dernière, tous les copains et les copines seront sur la scène live, la scène au milieu. On a beaucoup travaillé avec Olivier pour vous concocter une belle scène à cet endroit-là. Du coup, c'est pas mal, c'est encore mieux que l'année dernière, en tout cas on espère. Pour vous dire un petit peu les choses, on a pas mal bossé avec Olivier, le salon de la photo, pour faire en sorte que que le salon soit meilleur que l'année dernière, de remonter un petit peu tout ce qui avait été moins bien l'année dernière, et donc faire en sorte que tous les ans, ce soit un petit peu meilleur. Donc j'espère qu'il y aura encore ça l'année prochaine. Nous, de notre côté, sur le stand qu'on a avec Olivier, la petite aussi nouveauté par rapport à l'année dernière, c'est qu'on va faire un petit coin où Olivier et moi on fera des petites présentations, des mini-conférences sur ce qu'on sait faire. Et aussi, il y a quelques autres personnes. Alors, on n'a pas encore le planning. Là, quand j'enregistre, on est vendredi. C'est comme jeudi prochain, le salon de la photo, mais on n'a pas encore notre planning. Comme tout, c'est géré à l'arrache au dernier moment. De notre faute et pas que de notre faute. Hein. En tout cas, on vous prépare ça. Et si vous voulez venir papoter, si vous voulez venir voir ce qu'il y a sur le guide du photographe de mariage, sur F1.4 et tout ça, j'aurai également mes livres à cet endroit-là pour en parler de tout ça. Vous pouvez juste venir dire bonjour. Il y aura, je sais que déjà sur notre stand aussi, il y aura Photo Studio qui sera là, il y aura Nico Dété qui viendra aussi et plusieurs autres personnes. Comme je vous dis, on n'a pas encore tout le planning. La vue est cool quand même. Hein. Donc là, c'est Calgary. Vous connaissez sûrement pour les JO de Calgary. Et par exemple, aussi à Calgary a été tourné The Last of Us. Et du coup, tout à côté, il y a plein de montagnes, plein de parcs naturels et je vous ai préparé, j'ai fait plein de photos, je vous ai préparé aussi quelques vidéos. Spoiler alert, il n'y aura pas d'ours, j'en ai pas vu, mais j'ai vu pas mal d'autres animaux que j'ai réussi à prendre en photo. La vue est cool. Hein. Le vendredi soir, il y aura une soirée organisée par le Salon de la Photo, comme il y avait eu l'année dernière, mais directement au salon, c'est-à-dire juste sur le parvis, là où il y aura les food trucks, il y en aura beaucoup plus que l'année dernière. Donc le vendredi soir, soirée créateur de contenu, donc vous pouvez venir, toutes les communautés sont invitées, normalement tous les créateurs et créatrices de contenu seront là, on va pouvoir se rencontrer, on va pouvoir parler, on va pouvoir boire ensemble, on va pouvoir manger, on va pouvoir rigoler, c'est surtout ça qu'on veut faire. Hein. Le samedi soir, il y aura, comme tous les ans, la soirée Le Grand Saut, donc c'est la soirée pour toutes les personnes qui sont dans la formation Le Grand Saut, ou si vous êtes intéressé par peut-être le grand saut, c'est-à-dire faire le grand saut dans la photo de mariage, devenir photographe de mariage, eh bien, la soirée est là, est faite pour vous. Vous venez me voir au stand et je vous dirai où c'est. Voilà, ce sera le samedi soir. Alors, je vais pas dire que ça va être un salon calme, parce que déjà, de base, je vais être bien fatigué, tout simplement, parce que je viens de passer 3 semaines à faire 4000 bornes, à faire des randos, à faire plein de choses. Ça va être un salon avec un peu moins d'interventions que l'année dernière. Je serai plutôt au stand avec l'équipe. Vous allez pouvoir venir voir Max, Paul, Guillaume, qui seront là. Comme ça, vous pourrez aussi rencontrer l'équipe qui a derrière le guide du photographe de mariage. Il y a plein de conférences, il y a plein d'autres stands, un peu plus que l'année dernière parce que ils ont vu que l'année dernière c'était plutôt cool, que grâce à ce qu'on a fait sur la scène live, ça a rajeuni un petit peu, il y a eu plus de monde à venir. Donc les marques étaient plutôt contentes et donc sont venues. Donc vous aurez normalement un petit peu plus de stands cette année. Moi, comme d'habitude, j'aurai pas le temps d'aller voir tout ça, enfin ou très peu, vu que je serai à mon stand et qu'il faudra le tenir. Si vous voulez voir Photo Studio, ce sera le jeudi et le vendredi. Je vous redirai ça. On va refaire un mail pour envoyer un petit peu tout le programme. Et si vous n'avez toujours pas votre place gratuite, vous avez un code qui s'affiche ici et qui sera dispo aussi dans la description de cette vidéo. Et aussi le programme de la scène live qui est disponible dans la description. Voilà, une vidéo faite un petit peu à l'arrache. C'est vrai qu'il y a eu très peu de vidéos sur cette chaîne depuis, sur le guide du photographe de mariage depuis maintenant plusieurs mois. Je vous expliquerai tout ça dans une vidéo sûrement à la fin de l'année. Mais sachez qu'il y a une chouette vidéo qui arrive sur F1.4 là. Elle est prête. Mais là, avec le salon de la photo, on voulait la poster un petit peu plus tard. Je vous amène avec moi en Islande et on fait des photos en Islande. Elle est plutôt cool. On a passé du temps sur cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous plaira. En tout cas, c'est une vidéo dont je suis plutôt très content. Et j'ai vraiment très hâte de vous revoir. Cette année a été assez particulière pour moi, dans le bon sens et dans le mauvais sens. Je vous expliquerai ça dans une vidéo plus tard et ça va me faire très très plaisir de vous voir. Parler avec vous, de boire des bières avec vous, j'en ai besoin, donc venez. Venez pas forcément pour moi, mais venez. Ça me fera super plaisir de vous voir, de vous revoir,
de rigoler avec vous. Enfin voilà, ça va être le salon de la photo comme tous les ans, en mieux. Ben viendez, hein, viendez. Il y aura des badges à foison. Là, j'ai fait le stock, il y aura des beaux badges. Je sais que l'année dernière, il n'y en avait plus beaucoup. Là, cette année, on en a refait. Il y aura des petits goodies. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très vite au salon de la photo. Et entre-temps, bien sûr, sortez, faites des photos et surtout, bah, amusez-vous et admirez un petit peu ce paysage d'automne.